ma defone mu jere ciu top yonu chay chay buntu yeb teju ay way nu may recce aduna du balé jaru wéru yeah blue eye def bopam do ñalé ay mbokam yene negle Comme je vous le disais, pour des retrouvailles pareilles, c'est important qu'on soit tous là. C'est ce qui Merci. Explique la présence d'Amiléa, ma fille. C'est une joie d'être réunis ensemble. Et merci encore, mon frère. C'est un beau geste de nous réunir en cette occasion. Merci. Je t'en prie. Regardez-les. Quel bonheur de voir une mère et sa fille ensemble. Abdulmajid. Ma chère Aïda. Je pense que c'est une situation à prendre avec philosophie. Ami, je te présente Malika. Malika, voici Ami. Enchantée, Malika. Enchantée, ami. T'es encore plus belle en vrai. Toi aussi. Voilà. Mon frère, comme tu disais tout à l'heure... Ceci est très beau. C'est vrai. Et d'ailleurs, Abdulmajid... Anaeva est ta fille. Tu es son père. Et ça ne changera jamais. Cependant, si tu as eu la chance de la rencontrer et de la connaître, c'est parce que quelqu'un s'en est occupé. Et... Ami, je dois dire qu'elle a beaucoup de mérite. Tu dois lui être reconnaissant. Sur ce, on aurait bien aimé que tu lui accordes encore un week-end ou quelques jours de plus entre mère et fille. N'est-ce pas, mon frère ? Oui. C'est d'accord. Bébé, ça te dit de passer un peu de temps avec maman? Oui. Va prendre tes affaires. C'est si beau. Il n'y a rien de mieux que d'être en paix. Je suis ravi. Mon bébé, tu vas tellement me manquer. Tata Malika, toi aussi, tu vas me manquer. Écoute, moi, de toute façon, je serai toujours là. Si tu veux me voir pour n'importe quelle raison, je serai jamais loin de toi. Tu es mon bébé et je t'abandonnerai jamais. D'accord? Qui c'est mon petit bébé? C'est moi. Alors dis-moi, en te levant, qu'est-ce que tu fais en premier? Je me brosse les dents. Je me lave et je prie... Au nom de Dieu, le Tout-Puissant. Ça, c'est ma fille. Tu sais que je t'aime. Fais-moi un câlin, ma princesse. Allez, va.
Écoute, bébé, une fois chez maman, tu devras bien l'écouter, d'accord? D'accord, papa. Tu me fais un câlin? On se voit bientôt, d'accord? Merci beaucoup, Majib. Me remercie pas. Si ce n'était pas pour mon père et tonton Bachir, elle n'irait nulle part. Toi et moi, on a des choses à régler. Tu sais, Virginie, le boulot qu'a bouffé. Il faut être très riche pour y arriver. En fait, c'est parce qu'il ne vend que des voitures de luxe, Virginie. Et le deal est simple. Quel que soit le modèle de la voiture recherchée, même si elle est extrêmement chère, Abou peut l'acheter au prix du marché. En plus, il dispose d'une garantie sûre, ça aide. Et par la suite, il se procure une assurance pour vol. Maintenant, bien sûr, il se fait aider par ses amis qui sont sur place. Il peut alors acheminer les voitures vers le pays et ensuite il les récupère discrètement. Mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas. Comment elles peuvent sortir du port légalement? Bon. Certes, il n'a pas la douane, mais Abou, il connaît des douaniers qu'il arrive à corrompre pour obtenir absolument tout ce qu'il veut. Il leur donne les informations qu'ils doivent savoir. Le numéro des conteneurs, où ils se trouvent, ils ont juste à les récupérer et à lui déposer les voitures au parking de la ville et il n'y a plus qu'à choisir. Tu vois celui qui est en noir là-bas? Tu veux dire celui avec la veste? Qui est entouré de gros bras? Lui, c'est Farez. C'est le bras droit d'Abou. C'est lui qui fait tout le sale boulot. Quand Abou ne veut pas se salir les mains, il s'en charge. Ça veut dire que pour atteindre Abou, il faut d'abord passer par Farez. Tu as tout compris. Mais après, on va faire exactement ce que j'ai dit. Ok, si tu veux. D'accord? Ça marche. C'est gentil. Ok. Hey, ma chérie. Ça va? Bébé, tu te souviens de la voiture dont je te parlais? Ouais. C'était celle-là. Non. Exactement la même. Vraiment? Je te jure. Mais il n'y a pas de problème. On peut vous vendre n'importe quelle voiture qui existe, c'est vous qui choisissez. Pardon? Vraiment? Bien sûr, normal. Ah, je cède à tous les caprices de ma femme. C'est quel concessionnaire? Non, messieurs les concessionnaires, maintenant c'est fini. Non, de toute façon, monsieur, je possède toutes les voitures de luxe. Et je peux vous les proposer à des prix imbattables, mieux que ceux du marché. Alors celle-là? Ouais, elle est géniale. Oh, très bien. Tout ce qu'elle veut, je lui achète. Alors on part sur celle-ci. C'est parfait. Ah voilà ma chérie, c'est bon, elle te plaît? Oh oui, merci bébé, j'adore. Il va falloir que l'on fasse très attention à tout ce que l'on fait. Je te rappelle que notre objectif principal, c'est de récupérer Anaeva et non ta vengeance contre... Écoute bien ce que je vais te dire. Si je récupère Anaeva et que j'en ai la garde totale, je vais donner une bonne leçon à Ami pour ce qu'elle m'a fait. Tu me comprends? Donc toi, ce qui te dérange, c'est ce qu'elle a fait la dernière fois dans le bureau du juge? Et pas ce qu'elle a fait à ta mère? Attends, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Accuser ta mère à tort, la piéger, la faire emprisonner, ce sont des motifs valables, non? Écoute, je m'en fiche de ça, moi, Oli. Moi, c'est pas mon problème. Oui, mais ça devrait l'être, parce qu'il s'agit de ta mère.
Tu lui dois un minimum d'estime et de respect. Ouli, le respect et l'estime, c'est pas des choses qui se donnent, ça se mérite. T'as compris ça? Elle ne le mérite pas donc? Ça va pas dans ta tête, toi? T'es devenu fou? Il s'agit de ta mère quand même! Dis-moi, est-ce que t'es fichu de faire ce boulot pour lequel je t'ai engagé? Ou bien est-ce que je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ce job? J'en ai rien à faire. Parce qu'actuellement, c'est ma mère qui m'intéresse. Tu es insolent, hein? Tu es culotté, Majib. Je suis ta grande sœur et j'ai le droit de te réprimander quand tu vas trop loin. Tu sais qu'elle t'aime. Ah ouais, comment t'en es si sûre? Est-ce que t'en sais quelque chose? Tu dis juste ça pour que je me taise. Rappelle-toi que tu viens juste de débarquer dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? On vous entend de là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres en vous entendant vous disputer comme ça? Arrêtez ça. Vous feriez mieux de garder toute cette énergie pour notre objectif de récupérer Anaeva. C'est pas le moment de vous entretuer, vos petites querelles, là, mettez-les de côté. Vous êtes censés vous serrer les coudes et vous battre ensemble. C'est pas en vous comportant comme ça que les choses vont s'arranger. Bon, c'est bon. Moi, j'ai fini. Je me casse. Faut vraiment que je te parle. Majib, regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais ce qu'on va faire? On va se promener parce qu'en ce moment, t'as vraiment besoin de te vider l'esprit. Ok? Bon, allez, viens, on va à la plage. Viens. Je te suis. Tiens, prends-la. Ah, merci bien. Moi aussi, je vais aller me trouver une mamie qui joue avec moi à la poupée et qui aime autant me bichonner. Eh ben, elles s'amusent bien toutes les deux, c'est mignon. Tiens, tu as vu, maman est revenue. C'est qui ta copine? Qui c'est? C'est toi. Ah, je suis contente. Et nous, hein? Ah, ok. Je vais lui faire la même coiffure que toi. C'est bon, les filles, on peut y aller. Ok. Bon, mam, à tout de suite. Trop mignon. Alors, elles te plaisent, les tresses que j'ai faites? Mais attends, franchement, ce que tu as dit sur la mine, ça me surprend beaucoup. Sérieusement, Mai, le Lamine qu'on connaît ne ferait jamais ça. C'est un vrai gentleman. C'est justement parce que c'est un gentleman qu'il refuse que Mai dépense son argent pour lui. Les filles, c'est extrêmement frustrant pour un homme de se faire entretenir par sa femme. Est-ce qu'on parle de la même chose, là? Mais c'est pas ce que je veux. Mon but, c'est de l'aider. En ce moment, il traverse des moments difficiles avec sa famille. J'ai de l'argent, donc si je peux, je dois l'aider. Tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi vous avez cette mentalité? On parle d'un couple. D'accord. Mais voilà, un mari et une femme. Elle a les moyens d'aider son mari et sa famille. C'est quoi le problème? Attendez, les filles, vous avez mal compris, en fait. Ce que vous dites là et ce que Lamine a fait, c'est entièrement différent. Lamine sait bien que tu as les moyens. Ta situation financière, il la connaît. Mais dans sa tête, en fait, il se dit que ce n'est pas normal que tu paies tout, sachant que tu dois aussi t'occuper de ta mère. Et rien que pour ça, il a du mérite. Parce que si ça avait été un autre homme, crois-moi, il t'aurait exploité sans hésiter une seule seconde. Tu as de la chance et tu devrais être contente d'avoir un mari comme lui. Oh, excusez-moi. Allô? Hein? Mais quel hôpital? Ok, à toutes. Qu'est-ce qui se passe? Tonton a blessé Penda en la frappant. Hein? Sérieux? J'y attends, vais. Mai, attends! C'est incroyable. Parce qu'à bout, même quand c'est pour plaisanter, il est violent. En fait, quand il est en train de t'étrangler et que tu lui dis que ça fait mal, ça le fait sourire comme si ça lui plaisait. Donc tu l'as vécu. Je suis convaincue qu'Abou est un psychopathe. Je crois qu'il est capable de tuer. Je suis vraiment pas sereine. Parce que quand je suis avec lui dans la même pièce, je tremble de peur. Je me sens pas en sécurité. Mais Virginie, est-ce que tu as pensé à aller voir un spécialiste? Par exemple, un psychologue?
quelqu'un qui peut t'aider à surmonter ta peur. Parce que les gars comme Abou, ils se nourrissent de cette peur. Tu peux vraiment me croire. Et tu penses qu'un psychologue pourrait m'aider? Tu sais, quand je suis partie, j'en ai vu un. Et c'était une bonne idée. Il m'a beaucoup aidée. Il a réussi à me défaire de toutes les peurs que j'avais par rapport à Abou. Mais... depuis que j'ai vu cet homme qui m'a menacée quand j'étais avec ma fille, c'est comme si toutes les peurs qui étaient enfouies en moi ont ressurgi. J'ai tout perdu parce que je me sens encore une fois en danger. Donne ta main. Sally, je te fais la promesse que je laisserai jamais Abou te faire du mal à toi ou à l'un de tes enfants. Quitte à y laisser ma vie, je le ferai pour vous protéger. Parce que cet enfer, tu l'as déjà assez vécu. Et je le souhaite à aucune femme. Mais cette fois-ci, on va se battre ensemble jusqu'au bout. Il faut prévenir la police. Abou se moque de la police. Il les a corrompus. C'est un homme puissant. C'est impossible, il n'est pas si puissant. Il n'a pas pu tous les corrompre, il y a forcément quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut nous aider à l'attraper. Oui, mais on ne sait pas qui. Il faut continuer, il faut qu'on trouve une solution. Maman, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ton beau-père a blessé Pender en la frappant, mais il ne voulait pas lui faire mal. Ils ont fait une radio et c'est une fracture, mais il ne l'a pas fait exprès. Vraiment? Comment c'est arrivé? Écoute, Mai, je voulais juste la punir, pas la blesser. Tu sais, je... Mais elle est à l'hôpital! Tonton, c'est pas comme ça qu'on élève un enfant! Tu aurais pu lui parler au moins! Tonton, que ce soit la première et la dernière fois que tu la frappes, la prochaine fois, je vais te traîner en justice et j'en suis capable! Mais Mai... Non, laisse-moi! Est-ce que je peux aller la voir, maman? Non, pas encore. Pour l'instant, elle est avec le docteur. Où est ma fille? Dans la chambre. Il m'a dit de l'attendre dans la chambre. Ça fait longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, papa, c'est qu'avec maman, vous avez laissé un étranger nous élever. Et regarde maintenant. Si t'avais été là pour moi, tout ça ne serait jamais arrivé. Écoute, chérie. Je suis désolé. Viens. Viens, s'il te plaît. Penda. S'il te plaît, chérie. Viens. Je suis désolé. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Bon, alors, écoute-moi bien. Tu dis oui à tout ce qu'il te dit. Tu dois surtout pas le défier. Et aussi, n'oublie pas qu'il a perdu sa sœur il y a pas longtemps. Ouais. Ne lui demande pas ce qui s'est passé. Ça va le bouleverser. T'es juste là pour reconnaître ton erreur, ok? Rien de plus. T'inquiète, je gère. Bon, très bien, je te fais confiance. On y est. Il est là. J'y vais. Bonjour, Batty. Tout d'abord, je m'excuse pour les versements. Je suis désolé. J'ai jamais laissé personne me faire ça. Ça fait 4 mois, Lamine. Mais tu as de la chance, car j'ai dû m'occuper de ma sœur. Mes condoléances pour ta sœur. Babs m'en a parlé. Je suis vraiment désolé.
Je venais souvent ici, avec ma sœur. On regardait nos chevaux faire des courses. Elle gagnait tout le temps. Mon père disait que c'était un pur sang. Petit, fort et puissant. Et moi, j'étais un flamand. Fiable et docile. Est-ce que tu penses que je suis comme ça, Lamine ? Ça dépend de ce que tu entends par là, Bati. Mais moi, je sais que tu es très riche et que tu es respecté. Respecté. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai accepté de te faire un prêt sans te connaître ? Parce que Babs t'a demandé ? Non. C'est parce que l'autre fois, j'ai vu quelque chose en toi de très rare. Bonté et gentillesse. Tu sais, Lamine, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi ces deux qualités. Je sais ce qui m'attend dans l'au-delà. Mais malheureusement, très souvent, les gens comme moi sont pris pour des idiots. Mais je ne te prends pas... J'ai pas terminé. Les hommes aujourd'hui sont mauvais et très arrogants. Et tu vois, il y a les hommes riches comme moi, sans influence, sans moyens pour protéger les plus faibles. Donc pour se faire respecter, faut être impitoyable. Ne t'inquiète pas, tu auras ton argent sous peu, Inch'Allah. Il paraît que tu as démissionné. Oui. Mais ta femme travaille, je me trompe. Mais pourquoi tu parles de ma femme ? Je te parle de l'argent que tu me dois depuis un moment. Et ça ne concerne que toi et moi. Ça dépend de toi. Rends-moi mon argent ou tu vas le regretter. Bati. Donne-moi 2 mois et je te rendrai ton argent. Tu as 24 heures. Mais en 24 heures, je peux pas trouver une somme aussi importante. Tu n'as pas le choix. Autrement, je vais devoir agir. Il est temps que tu saches ce qu'est le pouvoir. Comment tu as pu le laisser faire ça ? Écoute... Je te préviens, si tu oses retoucher à ma fille, Papa. Je t'envoie dans l'autre monde moi-même. Papa. T'as compris ? Papa, s'il te plaît. Arrête. S'il vous plaît. Assieds-toi. Tu comprends maintenant pourquoi je voulais pas revenir. Je savais bien que j'allais devoir affronter ce genre de problème. Entre ma mère, Ouli et... Ami. Oui, ami aussi. Enfin bref. De base, j'étais pas là pour ça en fait. J'étais là pour assister au procès et travailler. Et pouvoir enfin donner à ma fille la vie qu'elle mérite. Honnêtement, Majib. Si tu le voulais, tu le ferais. Comment ça, si je le voulais ? Tu veux dire que c'est de ma faute ? Peut-être pas à 100%, mais t'as une part de responsabilité. D'accord. Et pourquoi tu dis ça ? Majib, t'es un homme intelligent. Et je pense pas qu'il soit nécessaire de t'expliquer que ta façon de te comporter en ce moment, elle est négative. Tu te comportes très très mal actuellement avec tout le monde. Et c'est quoi le rapport ? Il faut que tu fasses ce qui est bien et juste. Tu ne peux pas être négatif avec tout le monde et espérer avoir du positif en retour. Ça ne fonctionne pas. Écoute, tu peux au moins faire ça pour ta fille. Et puis, tu sais quoi, le reste, oublie. Oumi, ami, ça n'a pas d'importance. Moi, actuellement, il n'y a qu'une chose qui me fait mal. Et c'est mon cœur qui te parle. Ta mère. Continue comme ça et tu vas le regretter. Quoi qu'elle ait pu faire dans le passé, elle reste ta mère, et elle est irremplaçable. Majib, tu n'en as qu'une. Pardonne-la, s'il te plaît. Ok ? Fin de la discussion. D'accord. Je vais y réfléchir. Mais je savais pas que t'étais une fouineuse. Tu plaisantes, j'espère. Non, écoute, blague à part, sérieusement, j'aime bien ce côté positif que tu m'apportes. Vraiment.
C'est normal, je fais de la psychologie. Et puis, Majib, je commence à te connaître. Même pas, en fait, je commence à te maîtriser. Me maîtriser? Mais bien sûr. D'accord. Teste-moi. Ok, j'ai deux questions pour toi. C'est quoi mon plat et ma couleur préférée? T'es sérieux? Ça seulement? Vas-y. Suis-moi, je vais te le dire tout de suite. D'accord, vas-y, dis-moi tout. Alors. Allez, ça va. Regarde. C'est quoi ça, Maï? C'est tout ce que tu mérites. Tiens, il y a ça aussi. C'est tes affaires. Elle ne mérite même pas de les récupérer. Ramène le reste, vas-y, mets tout dehors. Et si elle les prend pas, on jette. Celle-là. Allez, prends-les. Bakary, c'est quoi ça? Mati, tout ça, c'est tes affaires. Mais je ne comprends pas pourquoi elles sont ici. On les a mis dehors parce que tu t'en vas. C'est ta faute, tu l'as cherché. C'est tout ce que tu mérites, Mati. Plus la bienvenue. Ça fait des semaines que tu me regardes dehors. Voilà, voilà ce qui t'arrive. C'est pas à vous que je parle. Je m'en fiche. Moi, je te parle. Je vais te dire une chose. Mais calme-toi. Attendez. Parce que ta fille gagne bien sa vie. Si c'est pour avoir un mariage au prix de ma vie, c'est non. Il a raison. Je ne veux pas. Oui, c'est inadmissible. Je ne l'ai jamais demandé. Et puis, ici, des femmes, il y en a plein. Ton qui, elle, me respecte. C'est ça. Pourquoi voilà je me sépare de toi. Tu je vais en trouver une sans problème. Vous êtes des vipères. Allez, va-t'en. Prends tes affaires et va-t'en. Mais Bakary, au moins, je te réplique, Mati. Je ne peux te voir ici. Va-t'en. Mais je n'ai rien fait de mal. Va-t'en. C'est des vipères, c'est de leur faute. J'aurais dû faire depuis longtemps. Tu fais une grave erreur. Allez, va-t'en vite d'ici et ne reviens pas. Je te préviens, t'as pas intérêt. Autrement, tu vas le regretter. Ça, je peux te le promettre.